What do you think about your mural? What do I think? Like, what's it about? Yeah, what it is about in the first place, and then... So when I first came to the students about an idea, I was thinking about drawing people, something that the students could relate to. Mm-hmm. And I decided to pick balance as the theme, so like sun and moon and warmth and colder and male and female plants and flowers. Ok, donc elle a dit qu'elle voulait vraiment faire quelque chose qu'elle est en opposition avec le chaud, le froid, la femme et l'homme. C'est tombé. C'est invariable, merci pas. Génial. Nous on peut dire 20 fresques et c'est quand même assez exceptionnel. Et j'insiste là-dessus, bien sûr il y avait une volonté, ça faisait partie d'un projet municipal, on l'avait mis en avant, mais tout est venu de Romain et de son équipe. C'est la dernière de la série Histoires urbaines 2.0. Donc on est très content de conclure avec une œuvre un petit peu différente des autres, puisque c'est un projet qui avait été monté par des élèves du lycée Jules Ferry dans le cadre d'un TPE. Et ces élèves nous ont demandé de transformer leur dossier fictif en réalité. Donc chose qu'on a fait avec grand plaisir. En demandant à Émilie de venir. Elle avait déjà acté sa venue avec les élèves. Il fallait juste qu'on s'occupe du montage financier et technique du projet. Donc pour terminer correctement ce parcours, on va imprimer le plan qui recense les 12 dernières fresques. Donc voici la maquette. Il sera disponible fin d'année, début d'année, en fonction des délais d'impression. Et Émilie sera en bonne place dans ce plan. Alors, en fait, tout est parti dans TPE, donc en classe de première, où nous avons toutes les trois décidé de faire réaliser une fresque au lycée, enfin de monter le projet pour faire réaliser une fresque au lycée. Et donc, on a contacté Émilie, qui vient des États-Unis, et elle a gentiment accepté de venir. Et du coup, on a monté tout le projet, donc le budget, tout ça. Et voilà, ça se réalise finalement maintenant. It's really beautiful and it's gonna change the life of the students. I hope so. I really hope people like it and can relate to it. I like to paint things that people feel something towards. Elle a dit qu'elle était contente et qu'elle espère que les lycéens vont pouvoir s'identifier et c'est ce qu'elle aime faire généralement avec ses peintures. C'est super. Ah ben oui, c'est un grand bouleversement, hein, d'un mur jaunâtre, un peu crasseux, on arrive à quelque chose de magnifique. Hein. Et ça change effectivement la physionomie de l'établissement. Et puis ça attire l'œil, parce qu'il y a une belle vision de l'extérieur, là, donc ça attire vraiment le regard. Et on la voit de loin. Là. On la voit de loin, et puis c'est la 20e fresque du projet des 20 fresques de la ville. Quand je suis descendue du bus, j'ai dit « Waouh, il y a de la couleur, ça pète, c'est beau, c'est nouveau. » Un beau cadeau de départ pour le proviseur. C'est sympa. Et il part à la retraite ? Si, ça y est. Il a décidé de partir. Il nous abandonne. C'est un cadeau pour votre retraite, c'est vrai ? Bah oui, c'est le cadeau de départ des élèves. Oui, il est super, il est magnifique. Alors, dommage, je ne peux pas l'emmener avec moi, mais bon... On est très contents d'avoir réussi à faire ce projet avec le principal, Émilie, tout le monde. On est très fiers de ça et ça restera dans nos mémoires pour la fin de notre vie, toute notre vie en fait. Avant, c'était sombre et maintenant, voilà, c'est la gaieté. Il y a un vrai travail qui est fait depuis quelques années pour qu'on puisse embellir un petit peu la cour et on est tous conscients que ça a un vrai effet sur le climat scolaire et sur l'apaisement. C'est toujours plus agréable de venir travailler dans un endroit qui est beau et qui est convivial, voilà, tout simplement.